Ceci est une émission publicitaire payée par Production de pêche, L'Heure Juste. L'Heure Juste vous est présentée par Toyota, le groupe Thomas Marine, partenaire de vos loisirs. Et Prince Craft, dominez l'eau avec Prince Craft. Bon, ben on est de retour à la pêche ce matin. On a eu trop de plaisir à pêcher la grise à la jig avec le Panoptix de Garmin. Fait qu'on commence comme ça ce matin. Il y a déjà des poissons de repérer dans l'écran sonore. On va regarder si on peut les faire réagir. Elle s'en va te voir. Hey, agressive à bord de ça. Elle va t'attaquer, ça se peut pas. Oui! Oh yes, Ben! Hey, on l'a travaillé, Ben, celle-là, hein? Hey, c'est incroyable! On l'a fait venir au moins 3-4 fois sur nos présentations. Oh, c'est une belle en plus! C'est belle! Oui, monsieur. C'est elle, la famille! Je la vois pas avec les reflets! Et c'est okay. Yes! Oh yes, Ben! Boom! Grosse palette! Alright, elle est vraiment belle à part de ça. Génial! Oh. Il a piqué au fond. Ouais. Elle a poursuivi nos leurres plusieurs fois. On a joué avec. Et moi, je l'ai fait monter, Ben, d'après moi, jusqu'à une douzaine de pieds de la surface. Avec quelle leurre? Veux-tu vraiment savoir? Powerbait Maxent Flat Nose Minnow Mondale. La nouvelle de Berkeley. N'as-tu un autre? Eh oui, j'ai un paquet. Check bien ça, mon Dan. Hein? Quel spécimen. Lac du Cef. Oui, monsieur. Septembre. Dans le fond, on travaille ce poisson-là pendant quoi? Une bonne dizaine de minutes. Oui. On a fait monter 3-4 fois. À fin de compte, j'ai décidé de laisser le jig aller descendre jusqu'au fond. Laisser-le pendant une bonne 30 secondes. Hein? Juste un petit quelque chose pour dire que c'est vivant. Et voilà, il a attaqué. Wow! Est-ce qu'on garde celle-là? Ben, Gustave me disait que sa conjointe adore manger la bon, truite ben, grise. Peut-être qu'on peut en conserver elle, qu'on peut conserver elle pour sa conjointe. Elle a une coloration particulière, hein? Regarde, il y a du orange après les nageoires. C'est un beau poisson. La zone ici m'apparaissait propice pour la grise. Fait qu'on était se promener avec le Garmin en fonction, puis j'avance à 4-5 milles à l'heure, je regarde si je peux voir des échos. On n'a pas vu. Mais je regarde le fond de cette baie-là avec de la végétation, tout ça. Ici, il y a de la grande bouche, il y a du brochet. Fait que quand j'ai eu le malheur de prononcer le mot grande bouche, les mots grande bouche, lui en avant, il dit « Ah, Dan, on va l'essayer ça! » Pas le choix, faut y aller. Sinon, Ben, il sera plus focus sur la grise, là. Énorme! Oh my God! J'en viens pas. Non, Dan, c'est énorme! Excellent! On aime ça, les grosses palettes à l'heure juste. Écoute, quand j'ai dit c'est huge! Oh my God! Ah oui! Oh! Il y a de l'écho ici. Hey. Quelle heure, Ben? Oh non! Perdu! Non! Perdu! Ah! J'en viens pas. Avec le General! Hey, c'est un leurre à gros poisson, celle-là, là! Ben oui, j'ai vu ça! T'as pris la plus grosse hier avec ça? Ben, j'en veux un comme ça. Tiens, Dan. Il en reste deux. Il en reste deux! Oh! Oui, monsieur! Nice! Oh là! Quelle grosseur!
Powerbrake Max and General? Oui, monsieur. Nice, good job. Oh! D'accord, d'accord. On l'a prise, je pense. Là, on l'a pas vu sauter. Oh! Je sais pas quelle grosseur que c'est. Je l'ai pas vu encore. Elle a pas sauté. Ça m'étonnerait que ça soit une 5 livres comme tu avais au bout de ta ligne. Merci, Adam. Oh! Elle a pas sauté? Non, elle a pas sauté. C'est une large mouth, ça se peut, c'est une large mouth. Ben oui, ça se peut. Une grande bouche, ça, peut-être. J'ai hâte de la voir, hein? Non, c'est une petite bouche. Oui? Oh, oui. Ah, c'est une petite bouche. C'est pas si gros. Oh, mais à fête, en tout cas. Mais tu sais, après avoir vu ta 5 livres dans l'eau, là. Ouais, c'est une zézette. T'as la merde. Ah non, mais c'est quand même beau, là. Oh, wow! C'est un beau poisson. Oh, ben oui, ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. On fera pas nos difficiles, là. Quand même. Eh, quand même. Belle couleur sur ce poisson-là. Fait que c'est mon premier avec le General monté Wacky. Noir avec des picots bleus. Moi, les leurres à gros achigan, Ben, j'aime ça. Mm-hmm. Là, t'as piqué une 5 livres. Hier, t'as pris la plus grosse de la journée. Grand choix de bateaux et pontons Princecraft et les meilleurs prix, un seul nom, Thomas Marine. Faites votre choix parmi plus de 100 bateaux dans le confort de nos salles d'exposition. Discutez avec nos conseillers dans une ambiance nautique à son meilleur. Thomas Marine, partenaire de vos loisirs. Depuis des générations, les Wobbler Lake Clear n'ont cessé de donner des résultats et de multiples records. Leur finition légendaire en or 24 carats ou en argent véritable produisent des éclats lumineux qui attirent les grosses truites. De multiples coloris en trois formats. L'action lente produit un grand mouvement ondulatoire et des vibrations provocatrices. La version deep au double du poids de l'original permet une approche plus profonde, mortelle pour truites et ongles. Assurez-vous d'une bonne sortie de pêche à la truite avec une Lake Clear. Nous sommes nés pour innover. Voyez les nouveaux poissons nageurs Berkley. Nouvelle conception, action inégalée. Des couleurs mortelles. Parce que tout le monde veut attraper plus de poissons. Voilà un pêcheur qui n'utilise pas d'insectifuge. Voilà un pêcheur qui utilise un insectifuge contenant du DEET. Voici un pêcheur qui utilise un insectifuge sans DEET. Angava et Caridine. Éloigne les moustiques, pas les poissons. OK, on l'a. 65 pieds de creux. On l'avait repéré encore une fois. Clairement, c'est le Panoptix, Dan. Oui. J'ai hâte de voir quelle grosseur, celle-là. Petit power minot blanc. Lève-la. Oh, lève-la. Vraiment nice. Oui, c'est un beau poisson, encore beau une fois. Beau poisson. Et voilà! Hey! Belle moyenne de grise. Good, good. Elle a avalé le petit power minot. Elle voulait. Hein, ça cherche toujours à se tortiller comme ça, une grise. Hein. C'est vrai. Cool, on aime ça, on aime ça. Tiens. Il l'avale jamais très profondément, hein. C'est toujours sous le bord de la gueule, puis... je suis agréablement surpris, moi, par le lac du surf. Tout le monde dit que c'est difficile. Ben oui, mais pas tant. Pas tant que ça. Quand t'as le bon équipement, les bonnes techniques de pêche, les bonnes heures de pêche. Là, Ben, qu'est-ce qui a fait la différence? Quoi ça? Le XI5. Dans le fond, Ben, je les voyais dans le Panoptix, complètement à gauche, 30 pieds à gauche. J'étais ancré avec le motor guide, avec la petite flèche de gauche, toc, 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 toc. 15 pieds. J'ai déplacé. Oh, oh, les coups de tête! Oh, c'est un beau spécimen, ça? Ben là, je commence à me demander, là, j'ai peut-être de quoi de très bien. Elle est plus costaud que ma dernière. Oui, puis ils montent pas si facilement que les autres. Non. Faire attention d'ajuster mon frein pour me faire jouer de tour. Hey, voilà. Un autre beau poisson! Wow! Un beau poisson, encore une fois. Quand même une belle grosseur moyenne ici, hein? Ouais, tous des beaux spécimens. Ouais, ils sont, ouais, sont pas des petits-petits. Tiens. On voit ici le petit leurre, tête de jig, 3/8 d'once. Un power minot blanc de 3 pouces.
C'est un leurre qui est très bon à la jig verticale, Ben. Je m'y ai pris dans plusieurs lacs différents avec ça. Regarde ce qui me fascine. Je sais pas si c'est parce qu'on approche du frais, là, mais regarde l'orange après la queue. Regarde-moi ça, cette grise-là, c'est belle. Wow, hein? Là, Ben en voit deux dans le panoptix. Fait que ça, quand ils sont plusieurs, là, ils sont en compétition pour la nourriture. Puis c'est souvent des poissons qui sont plus susceptibles d'attaquer nos leurres, là. On a clairement remarqué ça là, depuis deux jours. Là. Ça, c'est le leurre à Ben qui descend. Il s'en va vers les poissons. On va voir s'il va être capable de les faire réagir. Le poisson est là, le leurre est là. Hey, elle s'en va dessus, elle s'en va dessus. Regardez-la monter, regardez-la monter. Ben, ça va oui. Voir? Génial! Extraordinaire! Tu vois-tu comment ça marche, le Garmin Panoptix? Fourette. Fourette. Incroyable. Hey. Oh! Voilà. Hey, ça n'a pas de bon sens, là. C'est une en arrière de l'autre. Oh, vas-y, vas-y, go, go, go. Oui, oui, oui. Tu veux que je pêche, là? Oui, oui, pêche. Hey, un autre beau spécimen. Ça y est, il y en a une qui monte vers moi. Elle me court après. Oui, donc, oui, donc. Elle l'a lâché. Là, là, l'acte du surf, là, c'est la grise à volonté. Incroyable. C'est... Grâce à Panoptix de Garmin. Wow. Oui! Oui! C'est back à back à oh back, Ben! Oh, my God! Hello. Regarde-la aller! Fou raide! Hey, il y en a encore d'autres! Pêche, Ben! Je pêche, je pêche. Et voilà! Oui! Ça n'a aucun bon sens. Fourette! Oh. Oh non, ça a lâché! OK. Maxent, flat nose minnow, ça marche à côté. Elle vient de recracher mon power minnow. Un petit peu moins grosse que les autres, mais beau poisson quand même. Remise à l'eau. On va essayer. Ben, as-tu déjà vécu une séquence comme ça à la grise? Écoute, à la grise, jamais. À l'Ashka, ça arrive des fois, les regroupements de poissons comme ça. Mais là, on est à 60 pieds d'eau. Et c'est une après l'autre. On a pris une pause parce que c'était trop fou. Il fallait donner une chance au caméraman pour prendre son souffle. Absolument, absolument. Là, dans le fond, si on résume ça, on est ancré avec le Motor Guide XC5. Exact. Qui nous garde en place. Puis on s'est déplacé ensuite au-dessus des poissons. Le panoptique avec Ben, il vient d'en arriver d'autres. On n'aura pas le choix de remettre la ligne à l'eau. Là. Ben, on va continuer. Là, on voit le groupement de grises qui est sous le bateau. On lui descend ça, puis on joue avec. On lui fait. C'est on monte le leurre, la grise part après, ça lâche, on dans descend ça, le leurre. C'est un peu comme un jeu de vidéo. Hein? Ah, carrément. Carrément. Mais. Quelle action. Les résultats et de sont bons là. Poissons. Incroyable. Bon, Ben, on pêche. Let's go. Go. Écotone, le plus grand réseau de magasins au Québec spécialisé dans la chasse, la pêche et le plein air. Visitez votre marchand Écotone près de chez vous. Écotone, au service de vos passions. Vous parcourez les routes à la recherche d'un lac poissonneux? Protégez votre embarcation et votre moteur hors bord de la poussière et des éclats de roche avec ce qu'il se fait de mieux, les enveloppes protectrices de Protect Marine. Protect Marine, la meilleure protection pour vos équipements nautiques. Toyota, c'est la marque officielle des véhicules de l'heure juste et nous en sommes vraiment fiers. Lorsque je remorque mon bateau, régulateur de vitesse à 95 km/h, mon Tacoma consomme autour de seulement 13 litres d'essence aux 100 km. Honnêtement, pour moi, c'est du jamais vu. Les camions Toyota sont racés, confortables et ont un comportement routier très impressionnant. Sur route difficile, ils se démarquent encore davantage. Faut le faire. Écotone, le plus grand réseau de magasins au Québec spécialisé dans la chasse, la pêche et le plein air. Écotone possède les meilleures marques sur le marché.
Écotone, au service de vos passions. On va essayer de doubler, Adam. Ah, oui, oui. On essaie de le doubler. Ah! Oh, attaque! Je l'ai raté! Oui! Oh, yes, Ben! On s'essaye pour le doubler. Je le sais. C'est fort. Hop, là, il faut que j'aille à Puise. Bouge pas, Ben. Je m'en vais à Puise. Yes! Et voilà! Vas-y, vas-y, Dan. Il y en a d'autres, là. Ah, il y en a 5-7. Fourette. Lune, tu me cours après? Vas-y. Ah, je l'ai lâché. On va remettre ça à l'autre rapidement. Oui! J'en ai une! Parti. Ben, si je l'avais pris 30 secondes plus vite, on aurait pu dire que j'ai un doublé, qu'on avait un doublé. Descends tout de suite. Il y a d'autres. Deuxième ferrage. On slack un peu la tension. Et voilà. Il y a d'autres. Hey, là, c'est fou! Regarde-moi ça! Oh, regarde les coups de tête! Regarde les coups de tête! Ah, oh, Ben, un doublé! Oh, garde le combat! Elle me crochait le poignet! Hé, hey, garde-la aller! Elle a vu le bateau, là, elle est en feu! Ça l'amène, Ben! Oh, ça! Oui! Oh. J'ai pas de temps, là, je descends ma ligne! Hey, là, on est dans une dalle, c'est incroyable! Elle descend encore! Génial! Wow! Phénoménal! Ben, il va en avoir un autre, là. Je le vois dans le panoptique. Il se fait courir après par une grise. On va la remettre à l'eau. Oh, ben, ça a pris un gros 2 minutes, Ben. On a pris notre petite pause. Oh, elle est belle, celle-là. Elle est belle, celle-là. Je m'en vais chercher la puise. Ah, oh, parti! Wow! Elle était belle, cette elle! Cette petite menée-là, là. Il marche. Il marche. Tabarouette! Oh, wow! Un double ferrage. Elle, j'étais à chercher sur le fond. Elle a suivi mon leurre en descendant. J'ai... Ouh! J'ai pas été capable de la faire monter. Puis là, elle est allée se réfugier sur le fond. J'ai descendu mon jig jusqu'au fond. Boum! Quand même, Ben! J'ai hâte de voir celle-là. Est-ce que j'ai 30 secondes? Oui. Prends ton temps. Incroyable! Je m'attendais pas à faire une pêche comme ça pendant ce court séjour-là à la truite grise. Incroyable! Lac du Cerf, pourvoirie Michel Saint-Louis. Moi, ça. Ils ont différentes colorations. Ouais, ils ont différentes colorations. Ça, là, c'est plus classique, là. Ouais. Elle a quasiment des reflets bleutés sur le dos. Ah! Il n'y a pas qu'il nous avait jasé à date, elle nous jase. On va juste la gripper, puis... Hein? Un autre beau poisson. Spower minot blanc, 3 pouces. Mais on prend soin de la ressource, hein? C'est ça qui est plaisant. Il ne faut pas abuser d'un plan d'eau comme ça qui est en territoire libre. Fait qu'on a fait beaucoup de remises à l'eau. On va en garder deux. Une pour la conjointe à Gustave, parce que, bon, Gustave, c'est lui qui n'arrêtait pas de nous inviter à venir ici, puis on comprend pourquoi. Puis, je vais en ramener une aussi à la maison, là. Sylvie et les enfants aiment bien manger du poisson, fait que... Celle-là, on va la remettre à l'eau. Belle grise qui est fièrement combattue. On les capture sur un équipement léger, hein, fait que c'est tellement plaisant, là. On n'aurait pas du plaisir comme ça si on avait un gros chapelet ou une ligne plombée, là. C'est vraiment, j'allais dire, spectaculaire. Ouais, je l'ai travaillé sur le fond, celui-là. Sur le fond, hein? J'ai pris ton truc. Tu sais, quand tu me disais, là, juste un pouce ou deux au-dessus du fond, là, la levée, là. Comme un petit menet, là, qui a de la misère sur le fond, là. Oh! Ça sera pas la plus petite. Hey, garde les coups de tête. Wow! OK, des sprints. Ben voyons, qu'est-ce qui se passe, là? Ah, bon. Ça fait 2-3 qu'on perd, là. Je vais vérifier si mon hameçon est assez piquant. Ben oui, il est assez piquant. Curieux.
le plus grand choix de bateaux et pontons Prince Craft et les meilleurs prix, un seul nom, Thomas Marine. Faites votre choix parmi plus de 100 bateaux dans le confort de nos salles d'exposition. Discutez avec nos conseillers dans une ambiance nautique à son meilleur. Thomas Marine, partenaire de vos loisirs. Depuis plus de 6 décennies dans la fabrication d'embarcations d'aluminium, Prince Craft s'est toujours démarqué par sa qualité, sa fiabilité et sa durabilité. Que ce soit pour la pêche, la plaisance ou les sports nautiques, toutes les embarcations Prince Craft possèdent une gamme d'options diversifiées qui combleront vos attentes. Faites le choix d'une embarcation durable et d'une qualité exceptionnelle. Allez au princecraft.com pour configurer l'embarcation de vos rêves. Qui sait, votre rêve deviendra peut-être réalité. Prince Craft, dominez l'eau. Pour des nouvelles fraîches nous concernant ou encore pour suivre nos tournages ou nos apparitions publiques, je vous invite à vous rendre régulièrement sur notre page Facebook. Toute l'équipe de L'Heure Juste vous dit bonne pêche. Faut commencer quelque part, là. On a terminé à Grise, puis là, on a décidé de pêcher la Chigan. Bon, je le sais, là, mais petit poisson deviendra grand, là. Bon, trêve de niaiserie, on va remettre ce petit poisson-là. Allô! Bye! On va essayer d'aller chercher la Chigan en grande bouche qu'on a vue le matin. Fiche! Oh! Premier lancé, Ben! Oh! J'ai sauté! Wow! C'est un cas de prise! Oui, s'il vous plaît. Oh, il est pas pire, Dan. Oui, il est beau! Ah, oui! Et puis, je le vois plus. Je vois rien! Yeah! Oh, oui, c'est un beau! Cool! Yes, sir! Premier lancé, Ben. Premier lancé. Wow! Hey! Check-moi donc ça. Ça me rend content quand il y a les achigans même. Oh oui. Ben est de bonne humeur. Encore là, Nemson Fusion 19 Berkeley. Fait qu'un général, nouveau Powerbait Maxent. Et voilà ça. Tout foncé, toute beauté. Yeah. C'est un des plaisirs, ça, de la pêche à la Chigan, c'est qu'assez souvent, c'est très visuel. Tu sais, comme là c'est excitant là, de voir les 4-5 grosses qui suivent en arrière. Là, moi, je suis habitué à beaucoup d'autres styles de pêche, entre autres au doré, où ça se passe en profondeur, puis on le voit pas vraiment qu'est-ce qui se passe. Là. C'est clair que c'est un attrait supplémentaire. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Je la sors du bois. Hey, regarde les grosses. Hey! Il y en a 5-6 en arrière. Hé, il y en a une grosse. Je la tiens là. Il y a 5-6 achigans qui ont suivi, mon gars. Malade. Qui cherche d'autres choses à manger, là. Hey, c'est une belle grande bouche. Mmh! Oh, regarde-moi ça. Tabarouette. Hey, moi, je commence à l'aimer, le lac du cerf. Hey, il y en a sorti 5-6 autres belles en arrière quand je l'ai piqué. Malade. Puis il y en avait des plus grosses. Ce qui est pas pesé. Hey, incroyable, une qualité de pêche comme ça. Grise, petite bouche, grande bouche. Ben, m'a te faire un aveu, ça se peut que je revienne pêcher à Pourvoirie Michel Saint-Louis. Hameçon numéro 1, style octopus, fusion 19. On pique simplement ça par le milieu, comme ça. Et voilà, la simplicité même, mais quelle efficacité! Oui! Hey, regarde ça aller! Oh! Acrobatie aérienne!
Elle a pas l'air d'accord. Et une petite danse sur la queue. Prêt. Oh, quand même. Fait qu'il faut s'assurer qu'on la saisit bien pour pas se faire blesser. Bon, et voilà. Tiens. Ouais, le lac du Cerf, mon Ben, vraiment. On a passé deux jours incroyables ici. Oui, doublé! Hey, moi, il est venu chercher mon popper sur le dessus. Moi, c'était le général encore. Hey, ça a l'air d'un beau poisson, Ben. Oh, on va finir ça solide en beauté. Oh, il me sort du fil. Et voilà. Bien sorti. Bon. Bon, on va montrer ça aux gens. C'est deuxième poisson de notre doublé. Un autre, Ben! Un autre. Incroyable. Oh, malade. Ben, on va montrer ça aux gens. Allez, allez, du cam. C'est sur ce poisson-là que se termine notre séjour au lac du Cerf à la pourvoirie Michel-Saint-Louis. Ben, une belle découverte là, qu'on vient de faire. Là. Au-delà de nos expectations. Clairement. On a pris plusieurs truites grises de belle taille, plein de chigans, petites bouches, grandes bouches aussi. Le lac est superbe, des eaux claires. Puis il y a vraiment un cachet sauvage. Il n'y a pas beaucoup de chalets autour. Vraiment pas. Un site, là, vraiment une belle découverte. On voit encore des poissons qui sautent là-bas. Incroyable. Fait que je vous invite, les gens à la maison, à venir découvrir la pourvoirie de Michel-Saint-Louis. L'heure juste vous a été présentée par Toyota, le groupe Thomas Marine, partenaire de vos loisirs. Et Berkeley, capturer plus de poissons avec Berkeley. Quelle heure, Ben? Oh non! Perdu! J'en reviens pas. Hey, regarde les coups de tête. Wow! OK, des sprints. Ben voyons, qu'est-ce qui se passe, là? Ah, bon. Oui! Excellent, Ben! Oh! Il t'a l'air craché. Quand même un beau spécimen. Ça va te voir. Hey, agressive à part de ça. Elle va t'attaquer, ça se peut pas. Tu me niaises! Ah, décroché! Faut qu'il gagne de temps en temps, c'est correct. C'est correct, ça. Au Vary Michel-Saint-Louis, dans les Hautes-Laurentides. Un site... Conclusion, je finis mal, ça. On vient de terminer. On termine. Hein? On la reprend. Ceci était une émission publicitaire payée par Production de pêche, L'Heure juste.